va nous accorder du pain. Et qu'ils entretiennent des catins. La loi sans ans qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les fondra. Au son des fibres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La droite sans ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les amis. Le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes. C'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres. Car c'est nous qui faisons. Ne restez pas auprès de moi, madame. Je ne vous laisserai pas seule. Puisque vous demandiez tous à le voir. Oui, mais on demandait à le voir parce que... Parce que vous ne pensiez pas que la chose fût possible. C'est lui-même qui va nous recevoir. Mais certainement. Oh, ben moi je ne veux pas. Ne vous tenez pas si près de moi, n'ayez pas l'air de me garder. Sire, les voici. Faites la révérence. Laissez-la donc tranquille. Vous avez désiré me voir, mademoiselle. Oui. On voudrait du pain. Cette question me préoccupe. Et vous arrivez bien, car je viens justement de donner des ordres à cet égard. Comment vous nommez-vous? Louise. Chabret. Quel est votre âge? 19 ans. Quelle est votre profession? Ouvrière. Vous direz à ceux qui vous accompagnent que le roi leur demande encore un peu de patience et qu'ils auront bientôt satisfaction. Vous voulez bien le faire? Oui. Vous avez confiance en moi? Oui. Tout à fait. Oui. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous, madame? Rien. Vous allez mieux? Oui, beaucoup mieux. Sire, merci. Vite, qu'on lui donne à boire. Oui. Eh bien, il aurait dû faire ça il y a 300 ans. Il a dû la faire foutre en prison. À moins qu'il l'ait mise dans son lit. Il en serait bien capable. Et maintenant? C'est fini. Qu'on la reconduise.
Vous direz à tous que le roi tiendra la promesse qu'il vous a faite à vous. Merci. Ne sera-t-il pourtant possible de tenir cette promesse? Il faut qu'ils aient du pain. Et je ne déteste pas cette idée qu'ils ont eue de s'adresser directement à moi.